Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de réussir des tirs dans la tête avec le fusil de détour. Alors le fusil des détours, vous allez pouvoir les trouver dans les détours Fortnite. Donc les détours, c'est le rond qui s'affiche ici et qui apparaît aléatoirement dans les villes de Fortnite. Donc là par exemple, c'est à Retiro. Donc moi je vais me rendre à cet emplacement. Après vous pouvez vous rendre à d'autres emplacements. Regardez ces petites failles qui viennent de disparaître devant moi sont des petites anomalies de détour où vous pouvez aussi trouver des fusils de détour. Donc regardez, elles viennent de réapparaître. Elles apparaissent toujours par trois. Donc il y en a une ici, il y en a une autre juste ici, voilà. Et il en reste une que je ne vois pas. Ah si, qui est juste ici. Donc elles apparaissent toujours par trois. Dans ces lieux-là, vous vous approchez de ces lieux-là, ça créera un petit détour beaucoup plus petit que vous ne le voyez devant moi. Mais vous allez pouvoir aussi trouver des fusils de détour. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de vous rendre dans les gros détours de Fortnite. Donc celui que je me rends à l'instant. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de chance pour obtenir un fusil de détour parce que tout simplement il y a plusieurs coffres dans ce lieu. Donc regardez là, en plein milieu du détour, autour du gros cube, et bien en fait il y a trois coffres que vous allez pouvoir ouvrir. Donc ces coffres, regardez là, ça m'a donné deux fusils de détour. Donc je vais tuer les zombies pour pas qu'ils me dérangent. Comme ça, je vais vous montrer c'est quoi un fusil de détour. Donc les fusils de détour, ce n'est pas n'importe quel fusil, hein, c'est vraiment celui-là. Il est marqué fusil de détour. Ça, c'est un minigun des détours, donc vous n'arriverez pas à réaliser le défi avec un minigun ou avec une faux des détours. Il vous faut obligatoirement l'arme que j'ai dans la main, donc le fusil de détour. Elle y est en plusieurs raretés, bien entendu. Alors regardez aussi, très important, dans les détours Fortnite, les gros détours, eh ben, en fait, les coffres se transforment tous en des coffres de détour. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille d'aller là où il y a un gros détour de Fortnite. Comme ça, ben, vous avez beaucoup plus de chances. Là, je vais me faire tuer. Comme ça, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un fusil de détour parce qu'il y a beaucoup plus de coffres. Donc voilà, quand vous avez un fusil de détour, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement infliger deux tirs tête. Donc vous tirez deux fois sur la tête d'un zombie et logiquement, ça réalisera votre défi. Donc bien entendu, il n'est pas spécifique, c'est sur un adversaire, donc je pense que ça fonctionne contre des zombies. Mais après, si ça ne fonctionne pas contre les zombies monstres, eh bien, vous pouvez essayer contre les gardes de l'IO. Si ça ne fonctionne pas contre les gardes de l'IO, vous pouvez aussi essayer contre les personnages de Fortnite. Et si ça ne fonctionne pas sur les trois, ben là vous serez obligé de tirer dans la tête d'un adversaire, d'un vrai joueur, deux fois, pour lui infliger deux fois des tirs tête pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.